Sachez que vous allez pouvoir rester au lit ce Black. Les habitants de toute la région vont se rendre en ville à l'occasion de ce vendredi noir. Le meilleur chiffre de... Il y a des soldes dans plus de 9000 magasins. À partir de ce vendredi, plusieurs millions de dollars en espèces et de la pétrolique. Découvrez des promos à tomber dans tous les magasins. Avec plus de 140 millions d'Américains attendus en magasin. Cette année, la saison de la grippe va commencer. Cette maladie semble être une variante inconnue de la grippe, ce qui a surpris de nombreux experts. Restez avec nous pour plus d'informations. Nous reprenons notre flash spécial. Plusieurs cas de variole... Une épidémie de variole constitue un scénario bien rodé. Et des unités de la garde nationale se dirigent vers un hôpital... La variole représente une menace plus que le sida, plus qu'Ebola. Que les stocks de vaccins ne soient pas suffisants. Que les choses soient claires. Il n'y a aucune raison de paniquer. Une ville tout entière coupée des du reste du monde. Sous le nom de Poison Vert, Central Park a été transformé en fausse commune. Il y avait des coupures de courant, des fuites de gaz, des incendies. Et le gouvernement ne semblait pas avoir ses ressources disponibles. Nuit de pillage. Les habitants de New York aux abois... Ils étaient où les flics ? On a un incendie au croisement de Houston et Pitt. Les secouristes sont soit morts, soit ils essaient d'assurer la sécurité de leurs proches. Comme des animaux. C'est pas notre boulot, on n'a pas été formés pour ça. Quand on a été activé, on savait que la situation était grave. Mais c'était encore plus grave que ça. Nous sommes des agents, des soldats d'élite dormants hautement spécialisés. Nous répondons à un appel lorsque tout le reste a échoué. Nous n'avons pas de règles. Nous n'avons pas de limites. Notre mission, sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis. Mais lorsque vient l'appel, nous laissons tout derrière nous. Et nous devenons... la division. Salut tout le monde, c'est Choco Gamer. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un tout nouveau jeu. J'avais pas prévu de faire de vidéo dessus, mais bon, pourquoi pas finalement. Vous l'avez deviné, c'est The Division. Après ce petit zapping de JT... Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont fait en meuf déjà? Donc ça va pas du tout aller. Bon, on va se faire notre petit perso. Bon, je vais vous passer ça, parce que c'est pas trop intéressant. Je vais vous montrer juste à quoi il ressemble à la fin. Voilà mon perso. Bon, bah, je suis plutôt fier de lui. T'es content, toi? Bah voilà, il est content en plus. Donc j'ai fait un petit tatouage américain, le drapeau d'américain un petit peu saturé, pour faire genre, il est usé un petit peu dans ce monde post-apocalyptique. Intelligent System Analytic Computer activé. Confirmation, tout système Isaac opérationnel. Rejoignez le marqueur pour lancer la vérification de l'armement. Donc voilà, activation de l'agent. Alors. Lancement du test de l'armement. Tirez sur les cibles en surbrillance. Notre première mission. Waouh, mission de ouf. D'accord. Test de l'arme principale. Réussite. Bon, l'arme secondaire sûrement, parce que l'arme principale était faite. Si j'ai une arme secondaire... Appuyez deux fois sur triangle pour vous équiper de l'arme de poing, et puis une fois pour reprendre votre arme principale. Ok. Nickel. Lancement du test de l'armement. Tirez sur les cibles en surbrillance. Donc on va tirer avec l'arme de poing, du coup. Test de l'arme de poing. Réussite. Eh ben nickel. J'ai réussi ma première mission. Bienvenue, agent. Je suis Louis Chang, commandant de la division pour la section nord-est. La raison de votre activation est le haut niveau d'instabilité dans lequel se trouve Brooklyn aujourd'hui. Isaac nous a communiqué votre progression. Rendez-vous au refuge le plus proche pour récupérer votre équipement. D'accord, donc en gros ce qu'il vient de nous dire c'est que c'est la merde et que je dois rejoindre la planque de la JFT là, apparemment j'ai vu. Voilà, donc ça c'est nous. Putain, les rues sont super bien, enfin il y a le nom des rues, c'est énorme quoi. Donc mission la planque, ok. Donc on doit rejoindre la JFT à la planque pour récupérer notre équipement. Bon, le maniement est pas si mal que ça, j'aime bien, enfin j'avais joué à la démo et la démo franchement m'avait beaucoup plu. Après j'avais pas joué énormément de temps. Le week-end j'ai pas trop de temps en général, enfin bah je vous raconte ma vie, normal hein. Donc il y a même la distance de l'objectif, ça c'est pas mal. Agent, j'ai eu confirmation de l'arrivée de votre camarade Phalo. Retrouvez-la une fois que vous serez à l'intérieur. D'accord, donc on doit retrouver Phalo.
Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Ok, donc dans une zone de sûreté, on n'a pas le droit à nos armes. J'ai quelque chose pour toi, crois-moi. Ce qui est logique d'ailleurs. Putain, il y a un attroupement ici, c'est un truc de ouf. Tous niveau 1. Donc, entrer en contact avec l'agent de la division Failo, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On est en train de perdre tout le quartier. Les émeutiers ont franchi les barrages et ils se dirigent par ici. Alors il faut tenir cette position. Je vois que quelqu'un d'autre a reçu l'appel. Agent Failo, division. J'ai été activé en même temps que vous. On fait partie de la deuxième vague. Je sais pas ce qui est arrivé à la première, mais j'ai l'impression qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On n'a pas beaucoup d'infos, et on peut pas se permettre d'échouer. Manhattan est en confinement total et Brooklyn ne tardera pas à l'être. Les gens comme moi, et comme vous, c'est tout ce qui reste pour tenir le front. Ce que je nous souhaite, c'est d'en savoir un peu plus quand on aura retrouvé le commandant. En savoir plus sur la situation, comme sur ceux qui transforment la ville en zone de guerre, et sur tout ce qui nous permettra de faire notre boulot au mieux. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant. Le Major Hazen et son équipe gèrent les rapports de situation. Si vous cherchez un coin où ça chauffe, c'est eux qu'il faut aller voir. Validez votre activation au terminal pour officialiser votre statut opérationnel et activer votre équipement. D'accord, donc en gros, c'est la merde partout, je dois tuer les méchants et sauver les gentils. Donc terminer l'activation, c'est juste ici. Putain, il y a du monde de ouf, c'est hallucinant. Ah, on se rapproche. C'est celui qui activera son équipement à gagner, quoi. Ouais, il y en a même qui font du sport, carrément. J'ai vu quelques vidéos, d'ailleurs, où il y en a plein qui font du sport en même temps, c'est assez marrant. Donc par contre là j'ai activé l'équipement, ça ne fonctionne pas. Je loupe quelque chose là. Bah ouais, je loupe quelque chose, c'est clair, je viens d'activer mon équipement et... Enfin mon... Ok, ouais, donc hop, détail d'agent. Putain, ça bug, c'est un truc de ouf. On m'avait prévenu que ça buguait, mais à ce point-là, enfin je sais pas. Déjà que j'ai eu 2 Go de mise à jour pour commencer à jouer. Putain, il y en a par contre qui ont pas les mêmes coupes. Putain, je sais pas, j'avais pas vu cette coupe-là quand j'ai créé mon perso. C'est dommage parce qu'elle est archi bien. Donc c'est toujours autant la merde. Il y a du monde partout. Ah putain, il y avait un passage, il s'est refermé directement. Ah. Toujours pas. Encore une fois, toujours pas. On n'est pas beau là. Tous à attendre pour notre activation. Je peux pas louper ça. Louper quoi? Regarde voir. De l'équipement. Tiens, pas mal. Ok. J'ai ni le niveau ni l'argent. C'est un truc de ouf. Tu repasses plus tard? Ouais, je repasserai quand j'aurai de la thune. Laissez-moi passer! Bon, du coup, vu que c'est bloqué, je vais faire un petit tour. Voilà, ça c'est des méchants. Les méchants qui aiment parler, Failo, du coup. On va les appeler la racaille. Putain, en plus, génial, j'ai gagné une lunette. Putain, c'est archi bien. Je vais la mettre direct. Laissez-moi terminer mon activation! Génial, le jeu est sorti aujourd'hui et il commence déjà à avoir des bugs. Du coup, nous on va faire une petite ronde. Voilà, il y a des gens qui viennent danser autour. On va commencer les battles là, pour éviter de s'ennuyer. Putain, mais c'est dingue quoi, ça fait même pas 5 minutes qu'on joue et le jeu il est déjà en bug quoi. La pauvre, elle veut faire ça, personne la suit. La solitude doit l'envahir. Bon, je me suis déco Rocco, on va voir si ça fonctionne. Identité confirmée, équipement SHD activé. Pouf! Enfin, ça fonctionne. Bon, du coup, entre-temps, j'ai fait une petite pause. J'ai vu sur Internet, d'après certaines personnes, il fallait pas s'activer en même temps. Mais bon, c'est un peu impossible. C'est le début du jeu, quoi. Ils auraient dû prévoir ça, franchement. Donc maintenant, on doit demander le rapport de situation. Content que vous soyez là, agent. J'ai jamais vu Brooklyn comme ça. On a vraiment du mal à s'en sortir. Je serai votre point de contact pour toute opération d'urgence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque pas d'action ici. Mon Dieu. À ce rythme-là, je vais finir avec un ulcère. Ok, donc voilà mon point de contact. Maintenant, prochaine mission, restaurer Brooklyn, ravitaillement en nourriture. Bien, c'est bon, on va y aller. Bon, déjà, moi, je suis au maximum en munitions.
Isaac peut intercepter des transmissions à partir de certains points de la carte. Ainsi, vous aurez plus d'informations sur les objectifs de chaque zone. Ok, donc voilà, j'ai 3 missions apparemment, 3 missions secondaires. Donc il va falloir sûrement faire les 3 missions secondaires pour avoir une mission principale. Il y en a une qui est juste à côté d'ailleurs, et les deux un petit peu plus loin, mais rapprochées les unes des autres. Bon, on va commencer par celle qui est toute proche. Elle est juste en face, à 35 mètres. Bon, c'est parti. Agent, des émeutiers ont volé le stock de rations du centre de distribution de Brooklyn Heights. Ils vont sûrement chercher à les revendre. C'est un vrai scandale. On peut pas les laisser se remplir les poches sur le dos de gens qui souffrent. Faites quelque chose. Allez, fais voir ta montre. Carrément, il est en train de le racketter. Ça se fait pas. On est là pour aider. Y a pas besoin de... Bon ben, je vais faire le justicier, je suppose. Oh, mais tu vas la fermer, ta gueule. Putain, il est vulgaire en plus. C'est fou. On balance tout, ils vont t'enfuir. Dans le mille. Donc en plus, il me laisse des équipements. C'est pas mal. Puis on va fouiller son cadavre. Caisse de ravitaillement localisée. Alors, la caisse de ravitaillement est juste à côté. À 20 mètres, quoi. Donc, hop. Il y a un Fenwick et un camion. Alors, tac, tac. Ok, non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. L'objectif, c'est de téléporter. Donc, on est à 60 mètres maintenant, une petite soixantaine de mètres. Suivre la balise de suivi de la JFT. Donc c'est parti. Emplacement marqué à proximité. Tiens, il y a encore de la racaille ici. Tiens, c'est mort, je te dis. Ça bouge pas. C'est parce que t'es une banane. Allez, laisse-moi faire. Une banane. Hein ? Ok, vas-y. Espèce de grande gueule. Merde, c'est quoi ce truc? Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, donne-moi ça. Bon allez, ils ont assez essayé là. Je veux qu'il souffle. Bah, comment il m'a vu? Voilà. Zone sécurisée. Ennemi neutralisé. Tiens, des gants d'ouvrier. On va pouvoir aller au chantier. Avec lui, des genouillères, par contre. Moi je peux pas ouvrir ce qu'il essayait, non, même pas. Juste pour me cacher, ok. Attention, force ennemie en approche. Encore des méchants. Là ils sont trois. Ah ouais, une balle ça fait mal quand même. Ça fait mal sur moi mais pas sur eux, j'ai l'impression. Voilà. Retrouver les ravitaillements restants. Donc c'est parti, ils sont juste à côté. Alors, on va récupérer les munitions, charger aussi son arme. Alors, est-ce qu'il y a des méchants là-dedans? Non, c'est vide. Objectif atteint. Marquer le ravitaillement à récupérer. Qui est juste ici. Confirmation. Ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Super boulot, agent. On va pouvoir distribuer ces rations à des gens qui en ont besoin. Nickel. J'ai gagné un équipement. J'ai terminé une mission. Putain, et je trouve une arme. Alors ça, c'est génial. Donc, on va aller à la mission secondaire prochaine, du coup. Il nous en reste plus que deux, et ensuite on verra ce qui se passe. Non mais attendez, agent, c'est... Oui. Des émeutiers ont volé une caisse de morphine. Ils vont probablement essayer de la revendre ou de l'utiliser. Je m'en vais, vous on a des gens qui souffrent ici, et qui en auraient vraiment besoin. Alors, c'est à vous de récupérer cette caisse par tous les moyens. Ouh, les vilains. Ils veulent se droguer. Caisse de ravitaillement localisée. Donc apparemment elle est juste en face. Bien évidemment, il y a trois bugzers autour. T'es foutu, New York. T'en veux? T'en veux. Maintenant, distribue ça comme des hamburgers. JTF va pas tarder à appliquer. On va tous crever de toute façon. Alors autant partir en douceur plutôt qu'avec une rafale en pleine gueule. Putain, ils sont optimistes. On va faire ça tout de suite. Continue de chercher, ok? Ils nous doivent un max.
s'endort pas, les gars. Hop. D'accord, on peut même tirer comme ça sans viser, ça fait pas mal. Sécurisé, ennemi neutralisé. Voilà. C'était pas si compliqué que ça, s'il y a que ça. Génial, un silencieux. Confirmation, ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Ok, on doit tenir la zone du minute 30. Ici Sparrow 5, on approche de votre position. Ouais, bah dépêchez-vous, parce qu'il va sûrement y avoir des vagues entre temps. Attention, force hostile en approche. Qu'est-ce que je disais? Bon, un de moins déjà. Achevez-le, bordel! Voilà. C'est quoi le truc? Eux, ils ont des petits flingues de merde. Moi, j'ai une mitraillette. Et ils foutent ma vie comme... comme s'ils avaient un bazooka, carrément. On va essayer de balancer une grenade, quoique... Il y en a un juste là qui a essayé de me contourner. Oh là 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 là. La merde, j'ai plus de kit de soin en plus. Oh, ça va être la merde. Plus que 20 secondes, bon ça va. Normalement, je peux tenir. Putain, il mange des balles dans la tête, mais non. C'est un survivor. Je crois qu'il y a que des Terminators ici. C'est hallucinant. Confirmé. Sparrow 5 est sur place et prêt à attaquer. D'accord, donc j'ai juste du renfort. Ils sont encore 3. Putain, c'est du renfort, ça. C'est un truc de ouf. Y'a que moi j'ai l'impression qu'il tire. Voilà. Putain, j'allais mourir avec lui si m'a contourné. Oh putain. Il a vu que ça a marché donc il a fait pareil. Bon bah du coup on va recommencer. J'espère qu'on va pas recommencer l'émission entière. Ouais c'est bon. Si c'est déjà le feu, c'est qu'on va pas recommencer l'émission entière. Là c'est toi qui m'as tué là. Je crois que je l'ai tué en premier, espèce d'enfoiré. Cible sécurisée, aucun hostile à proximité. J'ai encore gagné une lunette. Au travail, agent. On va faire parvenir ces médicaments à des gens qui en ont vraiment besoin. Merci de nous avoir suivis. Moi, j'en ai besoin déjà, je suis mort pour vous une fois là. Ah. Bon, bah, il reste plus qu'une mission secondaire. C'est parti. Agent. Oui. On nous a signalé une prise d'otage dans une banque du quartier. Vous allez devoir passer par le tunnel du métro pour y accéder. Rendez-vous sur place et faites votre possible pour limiter les dégâts. Une prise d'otage dans une banque. À quoi ça peut servir l'argent dans ce genre de situation? C'est vraiment des teubés les mecs. Déjà un petit objectif atteint. Accéder à la cour maintenant. Bon, c'est parti. Par contre, les décors sont vraiment archi bien faits. Hein. C'est hallucinant. On retrouve vraiment l'univers post-apocalyptique... J'adore. J'adore totalement cet environnement. Donc, accéder à la cour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Que dalle. Là. On a une petite échelle. Alors. Qu'est-ce qui va nous attendre? Attention, présence hostile détectée. Évidemment. Une prise d'otage. Il faut bien qu'il y ait des gens pour tenir cette prise d'otage. Ok. Je vois à peu près comment c'est. Je pense que je vais déjà me décaler ici. Non, pas là! Voilà, ici. Pour pouvoir aller là. Putain, j'adore faire ça. C'est un truc de fou. C'est mon petite boule là, il court. Je kiffe trop. Donc, ils sont trois. J'ai l'impression qu'ils sont toujours trois, c'est hallucinant. Toujours en train de dépouiller un mec. Pendant qu'il y a un autre petit guetteur. Putain, tout ce duel MB, c'est quand même des malades. Bon, tout à l'heure, j'ai débloqué une petite compétence sur R1. Je pense qu'on va la tester là. Donc j'ai 3 grenades, 2 kits de soins et donc ma petite compétence.
Ils attendent. Alors c'est une espèce de bombe stick. On va voir comment ça se passe. Je peux la faire exploser à distance. Ah c'est génial. Je vais trop m'éclater avec ça. Bon ça on a tué un. Par contre les autres, fallait repasser derrière, bon c'est pas trop grave. Il y en a deux. Hop, un maintenant. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Bon ça va, elle était pas compliquée celle-là. Ça doit être stressant, n'empêche cette situation pour lui, le pauvre. Excellent travail, agent. Félicitations. Oh, enfin, merci. Dites-moi si jamais vous avez besoin J'étais d'aide. J'étais mort de trouille. Merci. Il faut que je parte d'ici. Bon, bah nickel. Mission secondaire terminée. Fais un rapport de la progression à l'ordre. Oh là. Des genouillères encore. Bon, bah, on va prendre ça. Fais un rapport de la progression à l'officier Hazen à la planque. Bien regardé ce que j'ai. Donc c'est parti, on est à la planque. Voilà. Bravo, agent. Vous avez réussi à éviter le pire. Et c'était mal parti. On vous doit une fière chandelle. Personnellement, j'ai vécu à Brooklyn toute ma vie, alors je peux vous dire que ce que vous avez fait, ça représente énormément pour moi. Bah de rien, gros. Hein. C'est mon boulot en même temps. Je fais partie de la division. Regarde, j'ai même un fan club qui m'applaudit. Arrêtez. Allez, je m'applaudis aussi. C'est pas tous les jours qu'on a un tonnerre d'applaudissements comme ça. Voilà. Calmez-vous. Bon bref, bâtiment principal du commissariat. Ok, donc on va sûrement libérer le commissariat encore. Bon, c'est parti. Appel à toutes les unités. Le commissariat est pris d'assaut par des émeutiers. Arrêtez ce que vous faites et ramenez-vous. Ok, bon j'arrive alors si c'est urgent. Donc nous voilà, hop là, je traverse ces flammes tellement que c'est important. Donc nous voilà au commissariat. Agent, vous devez reprendre le contrôle de ce poste de police. Si nous le perdons, c'est tout Brooklyn que nous perdons. On va essayer. Si je suis tout seul aussi, en approche. Parce que c'est pas les 4 bolos derrière qui vont m'aider. Il y a du mouvement sur toi. On dirait qu'ils ont des grenades. Des grenades? Oh putain, ça galère. Oh non. Ça, j'ai tendance à paniquer quand je vois. Je vois qu'il y a une grenade qui est à côté de moi. Bon, après ça va, c'est pas des grenades qui explosent. Ce genre de truc, c'est pas trop important. Ça me bouffe à peine de la vie, je crois que ça me bouffe même pas de vie, donc on s'en fout un peu. Voilà. Putain, il voulait se cacher lui, c'est un truc de ouf. En fait, il passe pas beaucoup de vie. Voilà. Ensuite, il en reste un sur le toit. Alors. Hop, oh, une grenade. Voilà. Objectif atteint. On a sécurisé le parking. On va pouvoir se garer, c'est génial. Centrale, ici le commandant de la division. On a un agent prêt à intervenir au niveau de la 84e, mais toutes les entrées sont bloquées. La division, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue ce mois-ci. Essayez le parking à l'arrière. Vous avez entendu, agent? À vous de jouer. Bonne chance. Oui, j'ai entendu, commandant. Bon, on va essayer de le tuer, lui. Là, je crois que c'était un bidon au fond, là. Mais non, c'est juste un plot, je me suis fait avoir comme un guignol. Donc comme je disais au début, hein, dans la mission, je suis tout seul. Les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, là, mais... Ils m'encouragent peut-être derrière, là. Alors, il y en a un là et un au bout. Ah putain, il arrête pas de se baisser cet enfoiré, c'est un truc de fou. Faut juste que j'attende. Non, faut que tu te lèves pour qu'il puisse te buter, ça serait mieux. Voilà. Oh putain. Quand il se lève, c'est le décor qui est avec lui, c'est pas possible ça. Il reste plus que celui Attention, au fond là. Nouveaux éléments hostiles détectés. Bien évidemment, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà.
alors il y en a d'autres. Il y en a un juste là. Enfin, il va pouvoir se débrouiller quand même, non? C'est hallucinant. Comme je disais, il sert pratiquement à rien, c'est dingue. Alors, tatatac, il doit en rester 2 ou 3 normalement. Il en reste même un seul, je crois. Voilà. Donc, rejoindre le monde. Élément hostile en approche. Oh putain, y'en a encore, c'est dingue. Voilà. Je vais pouvoir rejoindre le sous-sol tranquillement, peut-être maintenant. D'accord, je vais juste voir, il y a un petit truc là-bas. Je sais pas ce que c'est, bon. Il est peut-être pas là, je sais pas. Bon tant pis, on continue la mission. Il y en a un autre juste en face là. Du réapprovisionnement, génial. 431 munitions que j'avais utilisées. Putain, c'est un truc de ouf. Alors maintenant on va sécuriser le sous-sol du parking. Bah, c'est parti, j'en vois déjà 3. J'ai l'impression qu'ils viennent par vague de 3. D'un côté, s'ils étaient beaucoup plus, ça serait galère vu comment est le jeu. Après, c'est peut-être le début. Hein, bon. Il y a un petit bidon à terre. Oui. Quoi, c'est tout? Ça lui fait que ça comme dégâts? Je crois que ça allait le tuer. Oh là là. L'esquive. Élément hostile en approche. Il a rien compris, le mec. Donc, il y en a encore 3 autres qui arrivent là-bas. Là, c'est pas un headshot là que je lui ai dit. Sérieux. Voilà. Dommage que t'étais pas à côté. Par contre, ils font vraiment super mal. C'est un truc de fou. Donc il n'en reste plus qu'un. Nickel. Trouver des otages. On va aller trouver les otages. Juste, je crois qu'il y avait un petit truc là, ouais, il y a un petit truc sur la carte, juste derrière la voiture. Des genouillères encore. Je chope beaucoup de genouillères. Hein. Je sais pas s'ils ont un contrat avec une marque de genouillères, mais c'est hallucinant. J'ai l'impression que j'ai que ça. Moi j'aimerais bien avoir des masques, des trucs comme ça quoi. Parce que je sais qu'il y a l'équipement visuel qu'on peut changer aussi. Bon, pour l'instant j'en ai pas eu. Attention, mais... élément hostile détecté. Encore. Bon, déjà on va fouiller le casier là. Une boîte de conserve. Je sais pas à quoi ça peut servir, on verra plus tard. Ok, j'en vois déjà 2 là-bas. On les descend. On a besoin d'eux pour négocier. Si on veut faire un échange, mort, ils nous servent à rien. Pas tout de suite. Comment je vais les tuer? Est-ce qu'il est mort? Je sais même pas si je l'ai tué. Je pense, hein, parce que sinon, il ferait plus de bruit que ça, à mon avis. Yes, je vois un cadavre ici, c'est bon. Et ben voilà, objectif atteint, trouver des otages. On les a trouvés, ils sont juste ici. Hey, laissez-moi sortir. Chut, putain. Les énervez pas. Reste tranquille le temps que je nous sorte d'ici. Hey, merci du coup de main. Ah carrément, c'est automatisé. Je sais pas d'où vous sortez. Putain. Sans vous, on était foutus, merci. J'ai vraiment une idée arriérée de la prison. Je sais pas comment ça se passe, enfin je sais pas si c'est comme ça en vrai, mais... Moi j'imagine le truc encore à la... comme dans la ligne verte. Donc il y a un petit sac ici, voilà. Ok, donc je peux pas le prendre, je suis plein. Ensuite il y a quoi d'autre? Ah, putain, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis alors qu'ils foutent rien quoi, c'est dingue. Je crois qu'il y a... Ouais, ils sont de l'autre côté. Donc il y a là le frigo. Quelque chose qu'on peut pas prendre aussi apparemment. Et alors c'est quoi le placard? C'est juste en dessous. Ouais. Le placard, bon, quelque chose qu'on peut pas prendre aussi. Putain c'est dingue quoi. J'ai l'impression que je suis complète partout. Bon, bon on va poursuivre la mission du coup. Nettoyer les étages supérieurs. Attention, élément hostile à proximité. Bon, bah, c'est parti. Alors est-ce qu'ils sont plus de 3 cette fois-ci?
Alors, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Oh putain, ça caille! T'as qu'à demander au nettoyeur de te réchauffer. Ok, j'en ai vu un là déjà. Bon, c'est le moment de tester mon autre compétence, voilà. Alors normalement, ça m'indique tous les gens qu'il y a. Ouais, menace trouvée 3. Comme je disais, ça vient par vague de 3. Donc il y en a un là. Alors, celui-là, il est dangereux parce que quand il est à côté de moi, il me fait archi mal. Par rapport aux autres, ils me font archi mal aussi. C'est vrai que tu poses, tu fais mal parce que je me suis jamais fait toucher encore. Bon, pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux-là. Là, il y a les écrans d'ordi qui m'empêchent de les viser, là. Faut que je fasse gaffe quand je me déplace aussi. Voilà. Nouveaux éléments hostiles en approche. Évidemment, quand il n'y en reste plus qu'un, il y en a d'autres qui arrivent. Continue de les allumer. 3, ça doit être le niveau du personnage. Voilà. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Encore? Putain, ils arrivent par vague rapidement là. Voilà. Ah, y en a un juste à côté. Bon, c'est bon, ils sont deux normalement. Les deux que j'ai libérés là, ils vont pouvoir se débrouiller. Je leur fais confiance. Il faut savoir déléguer. Donc, par contre, l'autre qui est en face, je sais pas du tout où il est. Ah voilà, je le vois. Puis quand je leur perds, ils fuient. Voilà. Donc, putain, ils sont deux, ils arrivent pas à se débrouiller, c'est dingue quoi. Putain, il allait bientôt mourir en plus. Heureusement que j'étais là. Il y a un holster. Il avait un holster alors que qu'il a même pas d'arme. En plus, il m'indique une position approximative là, il est mort chelou. Donc ensuite, neutraliser le chef des émeutiers. Donc, on va trouver ce chef du coup. Je vais juste récupérer les petits trucs qu'il y a. Un kit de soins, bon, je vais en prendre un. Voilà. Ensuite. Oh, génial, une autre arme. Je verrai si elles sont plus puissantes que la mienne plus tard. Pour l'instant, je préfère continuer la mission. Je préfère faire ça hors vidéo d'ailleurs. Parce que c'est pas très intéressant pour vous. Surtout que je prends beaucoup de temps à sélectionner les armes. Donc voilà, je ferai ça plus tard. Donc on va continuer notre mission. Alors, oh, génial, un réapprovisionnement. 291 munitions pour pistolet mitrailleur. Donc c'est parti, neutraliser le chef des émeutiers. Merci de nous avoir rejoints. Y'a rien là, putain, j'ai cru que je pouvais ouvrir le casier. Attention, élément hostile à proximité. Ok. Putain, je suis juste devant eux, ils me voient même pas. Voilà, un de moins. Il y a une grenade, bon. Ça me concerne pas, elle est pas à côté de moi. Donc plus qu'un, logiquement. Il est juste là. Bon, évidemment, il y en aura d'autres qui arriveront. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Évidemment. Donc je vais me reculer, voilà, on va aller là. Pas trop près. J'ai explosé le truc, mais ça sert strictement à rien. Putain! Wouh! Et j'allais mourir, c'était chaud pour moi. Oh putain, en plus, il y a encore une grenade là. Elles sont pas inquiétantes ces grenades, mais quand on n'a pas beaucoup de vie, j'avoue, ça met un coup de stress. Où tu vas, toi? Oh putain, je recharge au mauvais moment, c'est dingue. Putain, heureusement que j'avais un autre kit. Par contre, j'en ai plus du tout là. Donc va falloir la jouer prudent maintenant. Ouais, j'ai préféré changer d'arme parce que là... là ça aurait pu être chaud pour moi. Ça aurait pu être la fin de Choco Gamer. Pour quelques secondes en tout cas. Alors... oh, s'ils viennent comme ça sera plutôt facile.
Par contre, il y en a un juste à côté. Putain, ils kiffent venir ici, c'est dingue. Et mes autres équipiers, ils foutent rien, c'est hallucinant. Putain, merde, c'est lui le boss. J'ai l'impression que je lui fais que dalle. On va essayer de le contourner. Voilà, par ici. Oh merde, putain. Je l'avais pas vu. Oh non, 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 non. Faut pas que je meure, faut pas que je meure. Ah! Vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mets-toi couvert, mets-toi couvert, voilà. On va attendre un petit peu que ça se recharge. Voilà. Donc lui c'est bon, il est mort. Il reste plus que le boss du coup maintenant. C'est vraiment boss. Oh putain, il y en a un autre carreau pop derrière, c'est dingue. Vous allez tous crever avec moi. Voilà, il est juste là en plus. Voilà, bon lui il est mort, oh putain. Dès que j'ai tué son pote, il m'a repéré direct le mec. C'est chaud. Putain, j'ai deux équipiers là-bas, ils foutent rien quoi. C'est dingue. Oh, il y en a un autre carreau pop. Vite, 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 vite. On va retourner dans notre planque. Du coup, on va pas faire le fifou. Voilà. Je vais retourner ici. Il est parti où le boss là? On va plutôt se coller contre le mur. Voilà. Objectif atteint. Il reste plus que l'autre du coup. Bon, je pense qu'ils vont arrêter de repop vu que leur chef n'est plus là. Enfin, j'espère en tout cas. Le poteau t'a sauvé. Voilà. Donc on a fini. En plus, il lâche un objet vert à un autre holster. Je suppose que vert c'est un peu plus puissant, logiquement. Si c'est le même système que le MMO, en tout cas. Donc là, il y a un kit de soins. On va pouvoir se soigner parce que waouh, c'était chaud. Donc maintenant, on doit descendre le long du bâtiment. Donc là, il n'y a rien. Enfin, je sais pas, je vois les trucs sur la carte, j'arrive pas à les trouver. Je sais pas s'ils sont à 7 étages ou si je suis un bigleux. De toute façon, on s'en fout. On a juste besoin de finir la mission. La fin de mission qui est juste ici. Enfin, la suite de la mission en tout cas. On a tué leur chef, donc je pense que c'est fini. Ah ouais, carrément. On va descendre comme les forces spéciales. Bon bah c'est parti. Hop là. Nickel. Excellent travail, agent. Brooklyn est à nouveau sous contrôle. Mais Manhattan, c'est une autre histoire. D'autres agents sont déjà avec moi. Une fois qu'on vous aura rejoint en hélicoptère, vous et l'agent Lowe, on se rendra sur place pour évaluer la situation. Commandant Chang, terminé. Nickel, on est passé niveau 4. Par là. Il y a un bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on reprend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Enfin, quand? Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. On y va.
Mission accomplie, agent. Le voilà. On y va. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Pardon. Quand on aura repris la ville? Waouh! Putain, c'était un truc de ouf! Hé! Allez, tenez bon! Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Bon, ça va, vous allez vous en tirer! Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde, le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance, vous allez en avoir besoin. Ok, nouvelle mission. Putain, c'était un truc de ouf. La pauvre va se transformer en gouverneur en l'espace de 2 secondes. Donc établir la base d'opération. Ok, ok. Bon, bah je voulais juste vous présenter un petit peu le début du jeu. Donc par contre, c'est pas un jeu que je ferai comme les autres où j'essaierai de faire le mode histoire. Je mettrai quelques missions ou quelques petits trucs marrants. Mais voilà, je voulais absolument qu'on fasse le début ensemble. Mais en tout cas, ça m'a super plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ben voilà, bonne soirée à tout le monde et j'espère que ça vous a plu. Ciao. Oh, caca.